la flèche qui était pour faire le retour en arrière, qui était en haut à droite, se retrouve maintenant en bas à gauche. L'onglet éditer sera nommé maintenant l'onglet modifier. Avant, on cliquait sur, pour éclaircir la vidéo, on cliquait sur le bouton éclaircir. Mais maintenant, on passe par le menu action, sous-menu effet, sous-menu effet vidéo, sous-menu luminescence et augmenter la luminescence. Ainsi, le client a l'impression d'avoir plus de choix. Un instant. Alors, vous avez mélangé toutes les commandes. Mais qu'est-ce que le nouveau logiciel fait de plus? Mais rien de plus. Ça prendrait beaucoup plus d'argent de développer de nouvelles fonctionnalités. Et ça prendrait des programmeurs habiles. Non. Ce qui est plus rentable, c'est de donner l'illusion du changement. Mais ça ne va pas prendre plus de temps à l'utilisateur de retrouver toutes ces commandes mélangées? Non, aujourd'hui, les utilisateurs s'adaptent en quelques secondes. Vraiment sûr que ça ne va pas frustrer l'utilisateur? Madame, j'ai un doctorat en sémiologie. Mais est-ce qu'il va y avoir un guide ou une vidéo pour expliquer à l'utilisateur comment retrouver facilement toutes ces commandes? Ça aussi, ça prendrait beaucoup d'argent. Non, ce qui va se passer, c'est que les utilisateurs seront tellement fiers qu'ils vont eux-mêmes faire une vidéo pour l'expliquer aux autres. Ainsi, nous n'aurons qu'à créer la fraternité des amants d'Adoublé. C'est bon ça, le sentiment d'appartenance à une communauté. C'est vendeur. Bonjour, bienvenue sur le blog du Super Dave, le king du software. Aujourd'hui, un tuto sur Adoublé de dernière. Alors, on commence en appuyant sur ce bouton, voilà. D'habitude, ça marche. On peut quand même les encourager un peu. Une bonne vidéo de formation, ça coûte quoi? 50 000 piastres. Mais on peut leur offrir une clé USB de 15 $ à celui qui développera la meilleure formation. Ah, bonne idée! Tous les utilisateurs d'Adobe sont une grande famille où tous sont heureux. Nous avons la chance d'avoir un grand expert en marketing. Puis toi, tu lui poses des questions juste pour le mettre mal à l'aise. Fait que t'es dehors.